Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir, oui. Comment allez-vous? Ça va bien. Ouais. Ça va très bien. On est vraiment fiers de nous. On a passé un super de beaux variétés pour de vrai. Puis on est content en plus d'avoir quitté ensemble. Oui, c'est le fun de pouvoir finir cette aventure-là à deux, partager cette fin d'expérience-là ensemble. Pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu avec une mini description de vous? Mais moi, dans le fond, Alexis... Oui, OK, mais tu peux me présenter un petit peu. En fait, là, moi, je suis candidate, pas candidate, une académicienne, mais dans le fond, j'ai 23 ans, puis je viens de l'Abitibi, mais j'habite à Montréal, puis c'est ça, c'est vraiment ça. Oui, puis rapidement, moi, je pense que ce que je peux dire, c'est que j'ai étudié en musique, j'ai toujours adoré la musique. Avant de commencer à chanter, j'en écoutais beaucoup, j'ai toujours été mélomane, puis c'est ça, c'est ma passion depuis toujours. Avant de faire Star Académie, vous faisiez tel métier ou vous étudiez dans tel domaine? Moi, avant de faire Star Académie, j'étais éducatrice spécialisée à Pinel, qui est un hôpital psychiatrique, donc un tout autre travail, un tout autre domaine. Oui, puis moi, en sortant du cégep en 2019, j'ai commencé à faire plein de contrats corporatifs pour plusieurs types de spectacles. Puis je me suis toujours gardée mon travail à temps partiel chez Simons. Je travaille en boutique là, depuis toutes mes études. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus? Il y a Corneille, là, qu'on a eu la chance de partager la scène hier, qui nous inspire énormément, nous deux. Tu sais, c'est l'idole à Sarah-Maude, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui m'a tellement influencé. Il y a peu de gens qui font de la musique comme lui en français. Puis, Corneille, c'est vraiment un artiste qu'on admire. Oui, c'est tellement une belle personne aussi. Ouais. On a eu la chance en plus de le recevoir au manoir cette semaine. Il est venu nous parler, échanger avec nous, nous donner des conseils. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir croisé sur notre route. Vous prenez de varsité. Comment vous avez réagi ou comment vous êtes sorti dans le 30 secondes avant le direct est parti? C'est intense, hein? Le premier variété, en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait comme un géant rideau blanc. Ouais. Puis quand le show commençait, le rideau, il s'ouvrait. Puis pour vrai, je me sentais tellement comme une star. Ouais. C'était vraiment intense. Ouais. Mais c'était magique comme moment. Je m'en rappelle encore comme c'était hier. Oui, bon, c'était tellement beau, là. Mais moi, j'avais la patate qui me comptait, là. Peut-être qu'il vous a motivé à participer à l'émission. Moi, je pense que c'était vraiment le fait que j'avais envie de me prouver aussi que, que j'étais capable, mais aussi, Star Académie, c'est un condensé de tout ce que tu peux faire, dans ta vie d'artiste. Ça ressemble à quoi, en fait, le quotidien d'un artiste, d'un chanteur qui fait vraiment ça et qui est capable d'en vivre. Puis ça vient confirmer si tu es fait ou pas pour le travail. Moi, c'était un peu cette confirmation-là que j'avais besoin d'aller chercher, aussi de développer de trouver, en fait, que ce soit un peu plus précis, mon identité artistique. Puis je pense que je l'ai trouvé à Star Académie. Je suis vraiment contente. Oui. Pour ma part, je dirais que après les 2 ans de pandémie qu'on a vécu, j'avais vraiment besoin d'un gros trip de musique. Puis juste vivre cette expérience-là, qui est, on va se le dire, une expérience tellement intensive de musique. J'avais vraiment besoin de ça. Puis moi, je suis vraiment contente de l'avoir. Les métiers de chanteur et de musicien de telle thérapie demain que vous faisiez tel métier? Ah, ben, je pense que je retournerais éducatrice spécialisée parce que j'ai cet amour-là qui est pour les êtres humains, ouais, pour l'entraide. C'est quand même un métier que je laisse pas complètement de côté et qui va me servir aussi pour la vie de chanteuse. Donc, je retournerais l'éducatrice. Moi, si je n'étais pas allée aux études en musique, je serais certainement allée vers une branche comme la psychoéducation, psychologue, quelque chose dans le genre. Comme Sarah, je partage vraiment un amour qui est très, très grand pour l'humain en général. Puis c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Quel a été votre meilleur moment, soit à l'académie ou pendant les parties? Bonne question. Ben, c'est sûr que le moment où j'ai appris que je rentrais à l'académie, au tout premier variété quand on était 19, c'était vraiment fou. Je m'en rappelle encore comme c'était hier, mais c'était incroyable comme moment. Et mon meilleur moment, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, le moment où j'ai chanté avec Corneille, il va être difficile à battre. Vraiment, mais sinon, j'ai beaucoup aimé chanter avec Loulou You quand on a fait un hommage à Genevieve Boulet. Oui. J'ai adoré ce moment-là. Hier, Julien, au départ, tu devais chanter une chanson, finalement, te changer pour des blues d'Alain Tom. Et toi, Sarah-Maude, te changer de Greatest Love of All de Whitney Houston. Pourquoi vous avez fait ces choix-là? Ben moi, je suis vraiment allée avec mon cœur, j'ai suivi mon instinct, puis j'avais vraiment une petite voix qui me disait d'y aller avec cette chanson-là. C'était quelque chose qui était très, très, très important pour moi de faire quelque chose qui me représentait à 100%. Puis cette chanson-là le faisait. Moi, je pense que j'avais besoin aussi de... Je pense que j'étais rendue là aussi dans mon évolution à Star Académie. Je n'aurais pas commencé l'aventure en chantant du Whitney Houston parce que j'avais pas nécessairement la confiance que j'ai maintenant pour chanter une aussi grande chanson comme The Greatest Love of All. Puis ben, j'avais aussi besoin parce que je me disais quand même que ça se pouvait que ce soit mon dernier variété. J'avais besoin de terminer avec quelque chose qui faisait ma marque, qui mettait ma signature, puis qui me représentait à 100%. Une journée à l'académie, ça ressemble à quoi? Oh! Bonne question! Beaucoup! On se lève tôt. Ouais. On se lève vraiment tôt. Puis on se couche très tard. Exactement. Premièrement, il y a peu de sommeil. Deuxièmement, on se fait beaucoup appeler pendant la journée pour faire des entrevues. Fait que, mettons, on est en train de manger ou quoi que ce soit, puis là, en deux bouchées, tu descends en bas, faire une entrevue, tu remontes, finis ton repas. Tu sais, il y a beaucoup de va-et-vient, tu es beaucoup sollicité par plein de gens, finalement, mais c'est vraiment très bon. On n'arrête pas. Pour vrai, notre cerveau il est constamment en train de rouler. Tout le temps. On n'est jamais au repos. Si on n'est pas en entrevue, on est en train de pratiquer une chanson, sinon on est en cours, ça arrête pas. Une journée de pratique au Met Bell's, ça dure combien de temps environ? Très longtemps. C'est très long. C'est des longues journées pour vrai. C'est des journées qui sont folles, mais c'est très long. T'sais, on peut arriver super tôt puis repartir à minuit. Là. Fait que c'est vraiment des longues journées. Ça varie entre des journées de 12h à 14h. Ouais, facile. Quelle a été votre jour préféré? Bonne question quand même. Mon Dieu. Ben, moi, c'est sûr que en termes de découverte, j'ai adoré les cours de Guylaine parce que je me suis vraiment... Je me suis découvert une passion pour l'interprétation que j'ai l'intention de continuer à développer à l'extérieur. Ouais, les cours à Guylaine aussi m'ont vraiment sorti ma zone de confort, vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment une bonne question. J'ai adoré aussi les cours d'écriture, les cours de création, pour vrai. T'sais, avec Ariane Moffat, avec Vincent Vallière, avec Zouki, Louis-Jean Cormier, c'était vraiment trippant, pour vrai. Oui, ouais, pareil pour moi. Rendu à cette stade-ci, est-ce que vous avez grandi en tant que personne et en tant que artiste? Tellement, ouais. Ça, c'est sûr. C'est comme inévitable aussi quand tu rentres dans un concours d'une aussi grande ampleur comme Star Académie. Tu peux pas ressortir comme t'es arrivé le premier jour. Ouais. Ça tu travailles sur ta confiance en toi. C'est fou, il y a comme tellement de choses. Tu t'assumes à travers ce processus-là, tu apprends à accepter tes défauts, mais tu acceptes aussi à prendre conscience de tes forces. Ouais. Puis on le fait avec humilité, mais quand même, tu sais, juste prendre conscience de tout ça. Puis on se découvre beaucoup à travers une expérience. Quels sont vos futurs projets? Ben, pour ma part, avant de rentrer à Star Académie, je travaillais déjà sur un petit EP, un mini-album. Fait que j'ai l'intention de continuer à travailler là-dessus. Moi, je dirais que je vais me faire un plan. Avec Guylaine, on a une bonne année pendant la saison, que c'était important de se faire un plan. Puis, moi, c'est sûr que oui, j'ai trouvé vraiment mon style sur lequel, mon style musical, dans le fond, qui est vraiment le gospel, tout ce qui est soul. Après, comment je veux mettre ça, est-ce que je veux mettre ça sur mon album, est-ce que je veux juste sortir un single, je ne sais pas encore exactement. Je vais m'asseoir, je vais prendre le temps de penser à ça, puis on verra la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de 2022? Je pense qu'on peut se souhaiter encore plein de belles rencontres qui vont continuer à nous inspirer, ouais, artistiquement, de s'entourer de bonnes personnes aussi. Tellement important. Parce que quand tu finis un grand concours comme ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont vus, beaucoup de personnalités publiques qui nous ont vus. Il y a des gens qui vont nous approcher, qui vont vouloir travailler avec nous. Il reste qu'il faut quand même faire attention, puis il faut être capable de discerner les personnes qui ont nos intérêts à cœur. Donc, ouais, c'est vraiment bien dit, s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi quelque chose qu'on peut souhaiter qui peut changer complètement la ouais, donne. Ça fait toute la différence, ouais, d'être avec une bonne équipe. Voilà. Êtes-vous fière de votre parcours? Tellement, ouais, on se le disait. Ouais. Déjà, la fierté, il y a tellement de reconnaissance aussi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça être à notre place en ce moment. Puis c'est nous qui avons été choisis pour faire partie de cette grande aventure-là. Puis en plus, toutes les belles rencontres, la belle famille qu'on s'est créée, c'est quelque chose d'unique qu'on ne va pas revivre une deuxième fois dans notre vie. Je vous remercie encore pour l'entrevue et au plaisir de voir peut-être des gens. Merci Alexis. Merci à toi. Bye. On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble, nos voix s'unissent et s'assemblent. Prêt à tout pour que demain nous